Alors, comme je vous le disais, bien, l'enquête, elle a duré presque 6 mois au total. Comme journaliste d'enquête, on veut toujours essayer de provoquer des changements sociaux quand on déterre des informations qui nous semblent méconnues ou pas assez mises de l'avant. Dans ce cas-ci, je dois dire que j'avais jamais vu ça en 21 ans de carrière. Les réactions qui ont été provoquées là, dépassaient un petit peu l'entendement pour moi. Et si je n'ai pas vu ça venir, c'est probablement parce que quand je m'y suis intéressée, Christiane Vanet n'avait pas encore été tuée par un pitbull. Le facteur déclencheur, c'est beaucoup plus la petite fille que vous voyez ici, Vanessa Biron, qui était allée jouer dans un parc avec sa sœur et sa mère, qui a été attaquée par 2 chiens. Et à cette époque-là, il y avait eu quelques attaques du genre, un peu moins graves, mais quand même assez graves, où vraiment on ne parlait pas de morsures ordinaires, comme on est habitué d'en entendre parler, mais carrément d'attaques non provoquées. Alors, l'idée, c'est un petit peu d'aller au-delà du fait divers, de voir bien, dans quelle mesure ces événements-là se produisent. Et assez rapidement, j'ai su par les hôpitaux que c'est beaucoup moins rare qu'on le croit, que plusieurs cas passent sous le radar. C'est sûr que les médias, des fois, on en a vent, on en parle parce que c'est frappant. Mais les médecins, eux, voyaient, juste à Montréal, chez les enfants, 2 ou 3 victimes par semaine là, qui avaient subi des attaques assez graves pour se ramasser en chirurgie. Donc, l'idée, c'était un petit peu, au-delà du fait divers, bien, pourquoi ça arrive, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir ces attaques-là, qui sont évidemment déplorables. Donc, tout de suite, là, vous avez entendu sûrement parler de toutes sortes d'explications. Il y en a 2 vraiment qui font l'unanimité, j'en parlerai pas beaucoup, mais il y a plusieurs exemples qui peuvent les appuyer. À savoir que les autorités interviennent beaucoup trop mollement. Des fois, il y a des chiens qui avaient déjà un petit peu mordu, donné des signaux inquiétants, on avait laissé aller. Et aussi, tout le problème des mauvais maîtres, ils sont malheureusement assez nombreux, c'est un fléau. Et c'est sûr que si un maître maltraite son chien ou l'entraîne carrément à attaquer, on risque d'avoir des problèmes. Mais ça fait l'unanimité, alors je vais laisser d'autres vous en parler. L'aspect vraiment controversé, qui a suscité des débats enflammés, c'est ce qui concerne les chiens eux-mêmes. On a beaucoup, beaucoup entendu dire qu'un chien, ça ne va pas attaquer sans être provoqué. Ça, c'est presque un mantra, je l'ai entendu dire par toutes sortes d'intervenants. Mais il y a un autre camp qui dit, bien, ce n'est pas tout à fait exact. Il peut y arriver que des chiens qui ont des bons maîtres, qui les traitent bien, attaquent pour toutes sortes de raisons. Et une des raisons, selon ces gens-là, c'est que certains chiens ont été, à la base, créés pour se battre, même si ce n'est plus maintenant ce qu'on leur demande de faire. Ça aurait un peu teinté leur génétique et adopter ce genre de chien-là, bien, ça serait un petit peu, selon eux, jouer avec le feu. Donc, les risques ne sont pas absolus, mais ils seraient plus élevés que si on adopte un chien qui n'a pas été créé à la base pour se battre. Donc, pour eux, ça fait partie du problème. Si on veut diminuer les risques, bien, il faudrait opter pour des chiens qui n'ont pas été créés à l'origine pour se battre. Alors, quand on veut récolter des données sur ce sujet-là, il faut remonter vraiment longtemps en arrière. Probablement que plusieurs d'entre vous n'étaient même pas nés à l'époque. Il y a 30 ans déjà, des chercheurs dans les agences de santé américaines se sont penchés sur la question parce qu'il y avait déjà beaucoup d'attaques médiatisées. Alors, ils ont utilisé quoi? Les articles de journaux et aussi des statistiques internes au ministère de la Santé parce que les causes de décès sont déclarées souvent et ça se retrouve dans leurs statistiques. Et là, ils ont fait un constat assez troublant. Leur étude a été faite une première fois et ensuite mise à jour 3 fois. Presque à chaque fois, les pitbulls se démarquaient. Déjà à l'époque, ces chercheurs-là étaient bien conscients que les médias peuvent faire des erreurs. Ils sont bien conscients que leurs données ne sont pas parfaites, ils le soulignent, mais ils vont conclure néanmoins, l'écart est tellement grand entre les chiens qu'on ne peut pas tout attribuer aux erreurs. Il y a probablement un phénomène. Ils ne vont pas se prononcer sur les solutions, mais ils vont dire, là, vous pourrez lire ensuite les citations tirées des études, « Nous croyons que le surplus de morts associé au pitbull est réel et en augmentation. » C'est leur conclusion. Bon, ça date un peu, comme je vous le dis, ça fait 30 ans, 20 ans. Malheureusement, les chercheurs ont arrêté de compiler ces données-là. Alors, il y a des groupes de victimes qui ont pris le relais, des gens qui ont été attaqués par des pitbulls la plupart du temps. Donc, ils prennent ça à cœur. C'est sûr qu'elles ont une vision très émotive du sujet, mais elles ont essayé d'employer la même méthode que les chercheurs, à savoir les articles de journaux. Et de nos jours, elles ont un outil additionnel, c'est Facebook. Sur Facebook, les propriétaires de chiens mettent des photos, mettent des fois des informations, précisent la race, des fois justement militent en faveur des pitbulls pour dire ce sont de bons chiens. Et ensuite, bon, donc les groupes de victimes font des compilations, vont chercher de l'information un petit peu partout. Elles arrivent sensiblement au même résultat que les chercheurs de l'époque.
Encore une fois, c'est le même problème. Leurs données sont loin d'être parfaites. On s'est basé sur les médias. Elles ont pu faire des erreurs. Surtout en ce qui concerne les victimes qui ont été défigurées ou amputées. Les morts, les médias en parlent presque tout le temps. C'est difficile que ça passe inaperçu. Les victimes défigurées ou amputées, on n'est pas au courant de tous les cas. Donc, les statistiques sont probablement beaucoup moins fiables. Mais en ce qui concerne les morts, il semble encore une fois y avoir une tendance. Bon, ça, c'est les États-Unis. Au Canada, évidemment, on est souvent heureux de vivre dans une société différente de la société américaine, là, surtout par les temps qui courent. Alors, c'est pas évident que la situation est la même ici. Et comme de fait, la seule étude qui s'est penchée sur le sujet a conclu plusieurs choses. D'une part, quand on fait des calculs, on voit que les attaques mortelles, c'est moins fréquent ici. Même quand on tient compte du fait que la population est moins importante, les chiens attaquent de façon moindre ici, apparemment. Aussi, ce n'est pas le même type de chien qui se retrouve dans les statistiques. Ça va être beaucoup plus souvent des chiens nordiques, des huskies, des chiens de traîneau. Et les circonstances sont très, très souvent bien particulières. Ça va être souvent dans des communautés reculées, le Grand Nord, des réserves indiennes, des chiens un peu semi-sauvages qui attaquent en petite meute. Pas dans tous les cas, mais il y avait vraiment une prédominance de cas. Donc, c'est une situation assez unique. Le chercheur souligne, il y a un seul pitbull dans mon échantillon de 17 ans qui a tué quelqu'un, mais il dit, ben, c'était déjà le chien le plus largement interdit, parce que ça date pas d'hier, tout ce débat-là, là. Dans les années 80, déjà, ils étaient interdits, 90, à plusieurs endroits au Canada. Donc, il dit, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion ou se comparer aux États-Unis. On n'a pas le même contexte, finalement. Alors, ce que j'ai décidé de faire, ça, c'était la partie collecte d'informations pour pouvoir faire des entrevues, me faire une tête par rapport au phénomène. La partie enquête a débuté ensuite, parce que là, je me retrouvais avec des données contradictoires Canada-États-Unis, des données assez anciennes, des données de victimes. J'ai voulu aller plus loin en utilisant une loi qui s'appelle la loi sur l'accès à l'information, qui nous permet de forcer les autorités à nous donner de l'information qu'elles ne voudraient pas nécessairement partager. Toujours pour la cacher, mais parce que des fois c'est un peu long à compiler, ça demande du travail. Donc, c'était tout un défi parce qu'à Montréal, il y a 19 arrondissements. Chaque arrondissement avait sa patrouille canine ou presque. Chaque arrondissement avait sa façon de compiler ses statistiques, sa façon de faire. Alors, obtenir des données d'un peu tout le monde, ça a été un travail vraiment de moine. Ça a pris 2 mois et demi. Il a souvent fallu que je les relance pour avoir des statistiques plus précises parce que tout m'arrivait de façon un peu désordonnée. En bout de ligne, je n'ai jamais réussi à avoir des données totalement équivalentes d'un arrondissement à l'autre. Ça reste hétéroclite. Cela dit, moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans tous les cas, les pitbulls étaient encore en relief. Quand on regarde les patrouilles canines, le genre de dossier qu'ils ont traité, ça mettait plus souvent en cause des pitbulls. Et puis aussi, en bout de ligne, les chiens qu'on analysait pour déterminer est-ce qu'on doit les euthanasier ou non, ben, c'était plus souvent des pitbulls aussi. Ensuite, 4 mois plus tard, la Ville de Montréal a, elle, diffusé des données beaucoup plus globales, avec tous les rapports de police du service de police de Montréal, sur une période de presque 2 ans. Encore une fois, le même phénomène. Donc, là, à partir de ce moment-là, j'avais quelques indices, mais les patrouilleurs canins ne s'intéressent pas aux victimes. Ah, d'ailleurs, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous souligner quelque chose. Les patrouilles canines ont quand même une certaine expertise pour identifier les chiens. Ils connaissent les animaux, ils travaillent avec les animaux à la journée longue. Et ce sont aussi des gens très réticents à inscrire une race à l'aveuglette, là. Parce que quand on les rencontre, souvent ils refusent même de nous préciser la race. Ils sont tout à fait de l'école disant que c'est raciste d'identifier un chien ou de faire un lien entre l'agressivité du chien et sa race. Donc, si les patrouilleurs canins ont écrit une race dans leur rapport, on peut présumer qu'ils ne l'ont pas fait à la légère. Donc, ça m'apparaissait déjà un petit peu plus fiable que les données des victimes. Bon, donc pour revenir à ce que je vous disais tantôt, les patrouilleurs canins, par contre, n'ont aucune expertise au niveau des blessures. Je me suis demandé, bon, qu'est-ce qu'en est des victimes? Qui est le plus blessé après une attaque de chien? Et la petite fille que je vous ai montrée tantôt avait un chirurgien qui est chef de département à Sainte-Justine, chef de département en chirurgie plastique. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est dit, c'est tout à fait vrai que plusieurs chiens attaquent. Je vois des enfants qui ont été attaqués par plusieurs chiens, mais d'après son expérience à lui, les enfants les plus mal en point avaient été mordus par des pitbulls. Quand on fait une petite revue de presse des médias américains, on constate qu'il y a des chirurgiens américains qui ont dit exactement la même chose. Pour eux, il y a un avant et un après pitbull. Pour eux, à une certaine époque, les pitbulls sont devenus plus populaires, puis tout à coup, sur leur table d'opération,
Ben, il voyait des cas plus graves, des blessures plus graves, des blessures à plusieurs endroits du corps, vraiment des vraies attaques et non de petites morsures bénignes. Alors ça reste impressionniste, évidemment. Bon, on peut pas, moi j'ai du mal à imaginer quel intérêt un médecin aurait à déclarer ça aux médias sans être assez convaincu de ce qu'il avance, mais ça reste impressionniste. Ça prenait des données un petit peu plus globales, plus larges. Et c'est là que je suis allée fouiller dans les études. Là, j'ai constaté que depuis 2009, il y a 10 études qui ont été faites dans des centres de trauma aux États-Unis sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les chirurgiens? Ils sont retournés en arrière. Ils sont retournés voir chacun, certains dans des dizaines de dossiers, d'autres dans des centaines de dossiers. Ils sont allés voir les dossiers médicaux pour voir si on pouvait établir une corrélation entre la gravité des blessures et la fréquence et le type de chien. Alors là, ils se sont butés à une embûche parce que, ben, forcément, le type de chien n'est pas toujours écrit, là. J'imagine que parfois, la victime n'a aucune idée du si c'est le chien d'un inconnu qui l'attaque, elle ne peut pas le dire. Par contre, dans bien des cas, la victime a été attaquée par son chien ou par le chien de son oncle, de son ami. Dans bien des cas, la victime connaît le chien qui l'a attaqué. C'est probablement dans ces cas-là que les dossiers médicaux ont pu préciser la race, parce que les médecins interrogent la victime. Et donc, on constate encore une fois une certaine tendance. Les pitbulls ressortent encore une fois. Ça reste aussi imparfait, mais une tendance. Donc, il y a trois études qui ont été faites ailleurs, au Colorado, où les pitbulls sont largement interdits dans presque toutes les grandes villes. Et là, à cet endroit-là, ben, en toute logique, ce n'est pas les pitbulls qui arrivent en premier parmi les attaquants, ils sont interdits. Mais il en reste certains, ils semblent encore faire des dommages. Ce qui aurait été intéressant, c'est de pouvoir comparer une ville comme le Colorado, un État comme le Colorado où les pitbulls sont interdits, comment se comparent-ils à un État où ils ne sont pas interdits? Pour voir si finalement le nombre d'attaques a diminué ou si les pitbulls ont été remplacés par, je ne sais pas, des bergers allemands ou ça, on ne le sait pas. Aucune étude a été faite sur le sujet, mais ça serait sans doute intéressant de le faire. Bon, là, on voit, je vous ai mis quelques extraits d'études. On peut voir que pour les médecins, c'était sans équivoque. Eux, ils étaient assez catégoriques à savoir que les pitbulls ne leur paraissaient pas être un bon choix de chien. Alors là, vous connaissez déjà le punch, vous savez que c'est un point de vue, ce n'est pas le seul point de vue. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a tout un autre camp, celui des refuges, des vétérinaires, des défenseurs des animaux, des propriétaires de pitbulls qui ont souvent un bon pitbull parce que c'est pas 100% des pitbulls qui attaquent, c'est une petite minorité. Donc, eux ont une expérience excellente. Et ils ont aussi une expertise très différente. Alors, eux, quand on les interviewe, quand on les écoute, ils vont nous dire, mais toutes les données que vous venez de me présenter n'ont aucune valeur pour plusieurs raisons. On me disait que, bon, les médias, les médecins, les chercheurs, tout le monde est beaucoup trop émotif, tout le monde exagère, tout le monde est un petit peu contaminé par la peur ambiante. Et de toute façon, ils ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'identifier un chien, c'est très compliqué. Et puis, ils ne sont pas capables de le faire. Alors, on ne devrait pas considérer ces informations-là. En gros, si je résume ce qu'on m'a dit. Là, il faut se demander. Effectivement, tous les gens qui travaillent avec des animaux ont une expertise unique. C'est certains qui doivent avoir voix au débat, c'est certains qui ont des nuances à apporter, des informations précises à apporter. Par contre, comme journaliste, quand on interviewe des gens, il faut toujours être un petit peu conscient de ce qu'on appelle leur agenda possible. C'est sûr que les gens qui travaillent avec les animaux ont des intérêts personnels dans ce débat-là. Premièrement, philosophiquement, on le sait, les refuges veulent tuer le moins d'animaux possible. C'est une cause très noble. Mais les lois qui vont restreindre certains types de chiens, dans un premier temps, peuvent provoquer plusieurs euthanasies. Donc, ça va un peu à l'encontre de leur mandat. Pour eux, euthanasier un chien qui n'a rien fait, qui n'a pas attaqué, c'est inconcevable. On peut le comprendre. L'autre dimension, c'est vraiment tout l'argent qui est en jeu, parce que les propriétaires de pitbull, comme les propriétaires d'autres chiens, vont consommer toutes sortes de produits destinés aux animaux. Les refuges aussi, une grande partie de leur activité maintenant se concentre autour des pitbulls. C'est les chiens les plus abandonnés. Donc, une partie de leur budget est consacrée aux pitbulls. Donc, ça fait partie un peu de leurs intérêts à défendre. On le voit d'ailleurs parce qu'on le sait qu'il y a plein de causes d'injustice sociale, de causes très nobles qui ne mobilisent pas du tout la même énergie, qui sont pas du tout défendues avec la même ardeur. L'ardeur à défendre cette cause-là est un peu le symptôme du fait qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Alors, ils sont quand même assez organisés, là, vous pourrez lire ça à une autre occasion, là, je voulais résumer. Mais bien évidemment, le fait que des gens aient des intérêts à défendre ne nous permet pas de dire automatiquement, ben c'est fou ce qu'ils disent, on va jeter ça aux poubelles. Pas du tout. Ça doit seulement nous inviter peut-être à être un petit peu vigilants, à se demander, ben, finalement,
se questionner sur leur démarche, comme on le ferait pour qui que ce soit d'autre. Alors, ce groupe affirme les études des autres ne sont pas bien faites, les nôtres sont bien faites. Ben, il faut le vérifier. Alors, quand on évalue finalement la crédibilité d'une étude, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. On peut vérifier, ben, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts justement? Qui a payé pour cette étude-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait intérêt ensuite à l'utiliser? Et si oui, est-ce que ça a été déclaré? Comment on a construit l'étude? Est-ce qu'on a choisi des critères, des définitions qui allaient automatiquement faire en sorte que les conclusions qu'on souhaitait allaient être atteintes? Est-ce qu'on cache des informations pertinentes? Est-ce qu'on fait une revue de la littérature exhaustive ou ce qui ne fait pas notre affaire, on s'arrange pour ne pas le dire? Alors, c'est le genre de travail qui doit être fait. Malheureusement, les journalistes qui travaillent au quotidien, qui veulent tout simplement avoir la réaction d'un expert, n'ont pas le temps de faire ça. J'ai vu des reportages où certains avaient manifestement juste lu le résumé de l'étude ou un communiqué de presse, alors que cet exercice-là, normalement, devrait être fait. Alors, je les ai lus, comme j'avais beaucoup de temps, je les ai lus en détail, les études en question, puis il y en a certaines qui m'ont rendu perplexe. Il y en a une qui a été citée vraiment abondamment pour discréditer les médias. Là, je suis moi-même en conflit d'intérêts. C'est sûr qu'en tant que journaliste, c'est quelque chose que je n'aime pas entendre, mais on peut aller dans l'étude elle-même et constater les résultats de leur propre analyse. Alors, ce que la chercheuse a fait, elle a comparé ce que disaient les médias, les journaux, au rapport officiel des autorités ou au test d'ADN quand il y en avait. C'était rare, mais parfois il y en avait. Alors, qu'est-ce qu'elle a constaté? La discordance entre les médias et les autorités ou les tests d'ADN, c'est assez rare, on peut le voir, là, au mieux une fois sur 10. Et si on exige que les médias soient très précis, c'est-à-dire si on n'est pas satisfait du fait que les médias écrivent pitbull quand c'est pitbull et boxer croisés, ben, le taux de discordance monte, mais ça reste moins de la moitié des cas. Et pourtant, quand on lit l'étude, la conclusion, c'est que les médias sont fiables seulement 18% des cas. Alors, par quelle pirouette on arrive à cette conclusion? En fait, pour l'auteur, si elle n'a pas réussi à trouver une preuve hors de tout doute que le chien était un pitbull ou un berger allemand ou quoi que ce soit, c'est pas valide. Donc, elle exigeait d'avoir des papiers d'enregistrement, que ce soit un chien pure race ou des tests d'ADN. Mais l'auteur n'a même pas contacté les propriétaires des chiens dans la plupart des cas. Fait que d'une part, ces papiers-là sont assez rares. C'est assez rare qu'on fasse faire des tests d'ADN à son chien. Et d'autre part, si on ne contacte pas les propriétaires, ben, on ne pourra pas obtenir les papiers. Donc, le fait qu'elle ne les ait pas obtenus ne veut pas dire que les médias s'étaient trompés. Tant qu'à moi, un des meilleurs exemples, c'est le cas de Christiane Vanney. Le rapport du coroner est sorti récemment. Dans le rapport du coroner, on découvre que les tests d'ADN révèlent qu'il s'agissait d'un pitbull à 87%. Et on découvre aussi que le propriétaire du chien, le jour même de la tragédie, quand il a été rencontré par la police, il a dit à la police que c'était un pitbull, son chien. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des mois, il y a eu une campagne pour semer le doute. Pendant des mois, c'est la Société internationale, là, de protection des animaux a coulé des documents disant, il faut pas croire les médias, le jeune a enregistré son chien comme boxer, sans jamais dire que c'était impossible pour le jeune d'enregistrer le chien comme pitbull, puisqu'il était interdit à cette époque-là dans son arrondissement. C'est quand même une information clé. Ça voulait finalement rien dire qu'il ait enregistré comme boxer, puisque même s'il avait voulu le faire, on lui aurait soit saisi son chien, soit suggéré justement d'indiquer une autre race. Alors, une autre information qui m'a frappée. Là, l'échantillon est vraiment très, très petit, probablement pas extrêmement fiable, mais toujours dans la même étude. La même étude est associée à des petits rapports sur chaque chien. Et là, j'ai constaté qu'en utilisant leurs propres critères, c'est-à-dire en considérant seulement les chiens pure race pour lesquels il existe des papiers d'enregistrement, ben encore une fois, les pitbulls se démarquaient. Cette information-là n'a pas été mentionnée à leur décharge. On se retrouve avec un échantillon très petit. C'est peut-être simplement pour cette raison-là. C'est peut-être pas jugé significatif. Mais bon, il y a quand même, encore une fois, une tendance qui se dessinait. Autre étude qui m'a frappée. En Allemagne, on a déjà interdit plusieurs types de chiens, à moins que ces chiens-là réussissent un test. On les soumettait à toutes sortes de mises en situation. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui s'approche de brusquement, quelqu'un qui ouvre un parapluie. Et là, les chiens, pour se qualifier, ne devaient évidemment pas avoir mordu, sauf dans certains cas où on jugeait qu'ils avaient mordu de façon justifiée, parce que bon, c'est sûr que si quelqu'un arrive pour les frapper, le chien va se défendre. Alors, il y a eu deux études, une avec plusieurs chiens, tous les premiers en haut de la liste, et une avec les Golden Retriever.
Là, on peut voir d'après les résultats que quand on prend 100 Golden Retriever, il y en a à peu près un qui va mordre pendant ce test. Quand on prend les autres chiens, surtout de type Pitbull, c'est beaucoup plus élevé. Il y en a 13 qui vont mordre. Et là, encore une fois, par toutes sortes de pirouettes, les auteurs finalement font une moyenne entre les Pitbulls et les autres chiens pour les comparer aux Golden Retriever. Ensuite, on enlève la moitié des chiens de l'analyse en disant ces chiens-là ont mordu, mais de façon justifiée. Et là, j'ai interrogé les chercheurs. Je voulais savoir, ben, c'est quoi mordre de façon justifiée? Et puis, dans le sous-groupe qui reste, là, de ceux qui ont mordu de façon injustifiée, là, c'est-tu presque seulement des pitbulls ou pas vraiment? Ou peut-être était-il absent de ceux qui avaient mordu de façon injustifiée? Peut-être était-il plus présent? Peut-être était-il équivalent aux autres chiens? Ben, j'ai jamais réussi, à avoir de réponse. Ensuite, donc, quand je me suis rendue à la SPCA de Montréal, j'avais un peu toutes ces informations-là en tête. Là, j'avais plusieurs éléments qui me semblaient me laisser croire qu'il y avait peut-être un problème particulier avec les pitbulls. Je ne les ai pas tellement interrogés à savoir devrait-on les interdire ou non. Ce n'était pas vraiment ma préoccupation. Ma préoccupation, c'était plutôt, bon, vous ici, là, il y a des gens qui viennent adopter des pitbulls. Est-ce que vous êtes certain de votre coup quand vous les envoyez dans des familles? Est-ce que vous protégez bien votre personnel? Est-ce que vraiment, vous, votre expérience nous montre que vous montre qu'il y a quelque chose qui de particulier avec ces chiens-là? Et là, on m'a dit pas du tout, pas du tout. Il n'est jamais rien arrivé. Jusqu'à temps que je découvre, quand j'ai reçu les fameux documents que j'avais demandé avec la loi à l'accès sur l'information, qu'il y avait eu une attaque très grave chez eux en 2012, une bénévole qui avait été mordue tellement profondément qu'on n'a même pas vraiment testé le chien davantage. D'après les documents, on l'euthanasie le jour même. C'était vraiment pas une petite attaque. Alors, c'est le genre de choses qui est troublante comme journaliste. Quand on pose des questions, puis qu'on ne se fait pas donner de l'information, ça nous inquiète toujours un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un consensus? D'après ma propre collègue de recherche, d'autres auront sûrement d'autres avis, mais par rapport à l'agressivité des types de chiens, je dirais plutôt qu'il y a une constellation de données imparfaites. Il n'y en a pas des données parfaites. Il n'y en a pas des données qui permettent de nous trancher hors de tout doute. Mais on ne peut pas vraiment trancher dans l'autre sens. Il n'y a aucune étude qui prouve qu'il n'y a aucune différence entre certains chiens. Alors, logiquement, il me semble qu'il faudrait chercher à obtenir des meilleures données, poursuivre les études, chercher à expliquer la raison de cet écart-là. Par rapport à l'éducation des propriétaires, ben, clairement, ça fait partie de la solution, c'est sûr. C'est une solution dans presque toutes les politiques de santé publique. Par exemple, penser que ça pourrait tout régler, ça m'apparaît un petit peu naïf pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on le sait, il y a plusieurs problèmes sociaux qui demeurent en partie insolubles. L'ivresse au volant, la négligence parentale, on a beau faire toute la prévention du monde, il restera toujours des cas, là. On ne peut pas tous les éliminer. Et dans ce dossier-là, il y a plusieurs études qui montrent que certains propriétaires de pitbull, pas tous encore une fois, mais certains sont justement attirés par ces chiens-là parce qu'ils projettent une image d'un peu de défi, parce qu'ils veulent que leur chien attaque. Il y a des criminels qui se procurent ces chiens-là. Bon, pensez-vous que les criminels ou les gens qui se procurent des pitbulls pour les mauvaises raisons vont être réceptifs aux campagnes de santé publique? Probablement pas. L'autre aspect, c'est que contre elles, c'est difficile. Quand je parlais aux patrouilleurs canins, quand je leur soumettais des cas vraiment scandaleux où un chien, il y avait eu deux fois des ordres d'euthanasie, puis il n'avait jamais été saisi, on me disait, ben, les propriétaires déménagent, ils tiennent à leur chien. Si on veut euthanasier leur chien, ils disparaissent, ils le cachent. Donc, ce n'est pas toujours facile non plus de faire appliquer la loi. Par rapport là, vraiment à la question la plus controversée qui concerne le fait d'imposer des limitations à certains chiens, c'est assez étrange parce que c'est une solution qui est vraiment répandue. L'Ordre des vétérinaires avait fait une étude, c'était presque la moitié des municipalités du Québec, là, avant même que Christiane Vanney meure. Mais c'est très, très peu étudié. Il y a eu une thèse de doctorat sur le sujet, seulement 5 études, c'est vraiment peu, considérant que c'est dans des centaines de villes. Et ces études-là sont contradictoires. Mais ce qui m'a frappé encore une fois ici, c'est qu'elles ne mesurent pas la même chose. Il y en a deux qui concluent qu'on peut réduire les hospitalisations en ciblant certains chiens. Une des études a été faite en Espagne où plusieurs types de chiens sont ciblés, là. Pas seulement les pitbulls, on cible en même temps d'autres molosses, des bergers allemands, etc. D'autres concluent que ça n'a pas d'impact sur les morsures. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on amalgame deux problèmes un petit peu différents. Le chien qui va attaquer, ce n'est pas nécessairement le chien qui va mordre. C'est pas la même gravité, c'est des problèmes distincts. Il y a tout un courant de gens qui disent, comme c'est des problèmes distincts, on devrait avoir des solutions différentes.
et puis qu'on peut avoir deux séries de solutions. Elles peuvent être complémentaires, les solutions, et non s'exclure forcément. Vous pourrez lire ensuite, ça, c'est deux exemples d'études faites en Espagne avec des conclusions différentes. Bon, en fait, ce qu'on a assez de données pour cibler certains chiens, c'est vraiment pas mon rôle, moi, comme journaliste, de vous dire ça. C'est vraiment complexe comme question. Je peux vous rapporter qu'il y a deux points de vue. Pour les défenseurs des animaux, pas du tout. Ça serait raciste. On ne peut pas brimer leurs droits, les droits des animaux, mettre la vie d'animaux en danger avec des données imparfaites. Les tribunaux ont été amenés à se pencher sur la question. Ce qu'ils ont dit, eux, c'est que pour eux, quand la santé publique est en cause, disons, le fardeau de preuve n'est pas si élevé que ça. En autant que ça ne soit pas arbitraire, en autant que la crainte soit raisonnable, comme le bien commun est en jeu, on peut aller de l'avant. C'est ce qu'ont décidé les tribunaux dans le passé. À cette époque-là, les chiens étaient considérés comme des biens meubles, à peu près comme une automobile ou un frigo. Ça a changé, on le sait maintenant. Maintenant, les animaux sont considérés comme étant dotés de sensibilité, tout ça. Il serait possible qu'un tribunal aujourd'hui ne rende pas la même décision en disant les droits des chiens aussi sont importants, mais pas seulement ceux des humains. Donc, on ne sait pas aujourd'hui avec cette loi-là qu'est-ce que les tribunaux décideraient. Mais à l'époque, c'est ce qu'ils ont décidé en Ontario en 2008, parce qu'en Ontario, c'est interdit depuis. Et un autre des arguments qui avait été amené au tribunal, c'est que c'est pas parce qu'il y a un pitbull sur 100 qui va attaquer qu'on va s'empêcher de réglementer, parce qu'on peut considérer que quand la conséquence est très grave, il faut intervenir. Encore une fois, un peu comme pour les voitures, bon. Mais qui ne sont pas dotées de sensibilité. Alors, c'est à voir ce qui se passerait. Alors, la question qui m'intéressait davantage comme journaliste, c'est est-ce que ces données-là sont d'intérêt public? Et c'est sûr que je trouvais que oui. Le rôle d'un journaliste d'enquête, c'est de révéler des informations utiles. L'impression que j'avais, c'est qu'il y avait certains groupes qui voulaient tellement contredire les études, qui ne faisaient pas leur affaire, qu'on allait vraiment loin dans l'autre sens en disant des choses du genre, les pitbulls, non seulement ce ne sont pas des chiens plus dangereux, mais on allait jusqu'à dire, ce sont des chiens nounous. Là, il y a plein, plein de photos d'enfants affalés sur les chiens qui leur tirent pratiquement les oreilles. Pour nous dire vraiment, regardez, c'est tellement des bons chiens, on peut les laisser avec des enfants, il ne va rien se passer. Et aussi toute l'idée voulant, pardon, qu'un chien n'attaque jamais. Mais ça, il y a des gens qui l'ont cru, il y a des gens qui l'ont écrit sur leur compte Facebook. Et malheureusement, ça semble être erroné parce que les deux personnes que vous voyez ici, ben, la petite fille en bas a été tuée par le pitbull de son beau-père pendant qu'elle regardait la télévision tranquillement avec sa mère. C'est ce que l'enquête a révélé. Et la jeune femme d'en haut a laissé son frère de 9 ans seul avec ses pitbulls, que le petit garçon adorait. Et puis quand elle est revenue, ben, le petit garçon était mort. Donc, à tout le moins, on devrait peut-être cesser de dire des choses du genre « ce sont des chiens nounous » ou « c'est impossible qu'un chien attaque sans provocation » parce que c'est ça, c'est pas très prudent. Alors voici, c'est tout. Merci. Des chiens dangereux l'an dernier, alors que je n'étais pas présidente de l'Ordre. Alors, je n'étais pas trop certaine avec quel chapeau je me présentais ici, ce fait que j'ai décidé de diviser ma présentation. On va commencer par moi, comme citoyenne. Ben, je suis une citoyenne qui a plusieurs chiens, puis c'est une responsabilité que je prends avec, que j'exerce avec un grand sérieux. Je pense que le fait d'avoir des chiens, il faut en être conscient. On est responsable des dommages que nos animaux peuvent causer 24 heures sur 24 toute l'année. Alors, quand on prend cette responsabilité-là, il faut en être très conscient, puis cette responsabilité-là dure longtemps. Je suis, comme ça a été mentionné, moi j'étais aussi quelqu'un qui faisait de la zoothérapie dans des centres. Alors, les beaux côtés du lien humain-animal, là, j'en vois beaucoup aussi, là, puis tout le bien-être. Que ça peut apporter aux gens. Le hasard fait que l'attaque de la petite fille là, Vanessa Biron qui a eu lieu, là, la photo que vous avez vue tantôt, là, la petite fille avec la joue toute abîmée, là, c'était à un demi-kilomètre de chez moi.
Alors, quand cette nouvelle-là est sortie, moi, je ne connaissais pas du tout les gens. Quand cette nouvelle-là a été sortie, c'est sûr que j'ai été peut-être encore plus interpellée parce que ça causait beaucoup de réactions dans mon environnement immédiat. J'ai aussi été impliquée un peu avec la famille de la petite fille par la suite. Ça a été une des façons, moi j'avais une petite chienne reproductrice qui avait une portée, là, je ne sais pas si vous voyez les petits chiots à gauche, ça a été une des façons de la réhabituer à certains contacts avec des chiens. Alors c'était une socialisation mutuelle là, que les deux, qui pouvait se faire des deux côtés. Alors c'est la maman avec les deux petites filles qui avaient été impliquées, qui sont là chez moi. Maintenant, j'étais aussi médecin vétérinaire, puis ça donne que mon champ d'activité puis mon champ d'intérêt était le comportement canin. Alors, c'est sûr que j'ai été encore plus interpellée par cette attaque-là. J'entendais d'un côté, j'entendais des points de vue de tous bords, tous côtés. Maintenant, comme médecin vétérinaire qui s'intéresse beaucoup, j'ai arrêté depuis que je suis présidente, là, je fais aussi des évaluations de chiens dangereux, des chiens qui ont mordu et tout ça. Alors maintenant, je voudrais vous transmettre juste une petite partie d'informations qui concernent les attaques par des chiens. Premièrement, il faut vraiment faire le constat que le public a des connaissances très, très faibles au sujet des exigences de la vie avec un chien, des besoins des chiens pour avoir un chien qui est sain physiquement, qui est sain mentalement surtout. Les signaux de communication non-verbale des chiens ne sont pas très bien compris, même parmi les familles qui ont des animaux à la maison. La preuve, c'est que beaucoup de morsures ont lieu à l'intérieur même de la famille. Ça veut dire que même à l'intérieur de la famille, là, il n'y a pas de compréhension mutuelle. Les méthodes éducatives appropriées, c'est maintenant très, très bien démontré que les gens qui utilisent la méthode forte, les méthodes basées sur la dominance, les punitions physiques, tout ça cause plus de problèmes d'agressivité, plus de problèmes de comportement chez les chiens et non moins. Alors, ce n'est pas en dominant son chien que les gens arrivent à contrôler l'agressivité de leur chien, c'est bien le contraire. Les gens ignorent beaucoup aussi des comportements sécuritaires à adopter avec un chien de façon générale et surtout la façon d'assurer la sécurité entre enfants et chiens. Moi, j'ai toujours une grande préoccupation quand des gens qui ont des très jeunes enfants disent qu'ils veulent avoir un chien. Faut savoir que les gens sont prêts à vraiment bien s'informer pour assurer un très bon départ pour les interactions entre les deux. Puis ça, ce que je viens de vous décrire là, c'est des gens bien intentionnés, en général. Mais pire que ça, bien, il y a des gens qui sont mal intentionnés, puis c'est ça qu'ils veulent, un chien agressif. Je veux faire la distinction, puis c'est ça qui n'est pas assez fait dans ce débat-là, c'est la distinction entre deux grands types d'attaques. La plupart des manifestations d'agressivité des chiens sont une réaction au chien à quelque chose qui ne lui plaît pas. Il se sent menacé par quelque chose. On peut penser qu'il a raison ou pas de se sentir menacé, mais le fait est qu'il se sent menacé. La grande majorité des attaques sont comme ça, soit qu'il est menacé par sa possession de quelque chose, hein, que ce soit un aliment, un objet, un jouet ou son territoire ou quoi que ce soit. OK? Il se sent menacé. L'autre type que j'ai écrit en premier, c'est des attaques de type prédation. Bien, ça, c'est des attaques où le chien se comporte comme s'il était à la chasse, comme s'il était en train de chasser un petit lapin, une petite marmotte ou quelque chose comme ça. Et ça arrive que des chiens attaquent des humains de cette façon-là. Et selon tous les témoignages recueillis, l'attaque de Vanessa Biron était de ce type-là. J'ose jamais me prononcer au sujet de Mme Vadnais, étant donné qu'il n'y a pas de témoin oculaire de ce qui s'est passé. Je préfère ne pas me prononcer. Mais le type d'attaque prédation vont parfois mener à des blessures très, très graves. Ils sont rares, ces attaques-là, mais on doit s'en préoccuper parce qu'ils peuvent donner des blessures qui sont vraiment sévères. Alors, le type de prédation, comme je vous dis, est relativement rare. Je tiens à le répéter parce que je ne veux pas semer une paranoïa collective non plus. Le deuxième type, c'est quand le chien est en réaction à quelque chose. Il est plus prévisible. En général, le chien va donner des signaux d'avertissement et puis on peut avoir beaucoup plus d'impact sur ce type d'agressivité-là
par l'éducation et la socialisation de notre chien. OK? Fait que tout ce qu'on dit là, à propos de l'éducation de la population, des propriétaires de chiens, des enfants, etc., ça peut aider beaucoup pour le deuxième type d'agression. Ça a moins d'effet pour le type prédation. Le type prédation, là, je vais juste vous décrire vite le comportement, OK? Vous vous imaginez, il y a différentes phases. Il y a beaucoup de chiens qui ne se rendront jamais aux phases finales. Il y a la majorité des chiens, OK? Peu importe l'éducation qu'ils vont avoir, on va les laisser en liberté s'ils étaient en liberté dans une ville pendant des semaines, ne se rendraient jamais à attaquer un humain en se rendant aux étapes finales de prédation. Puis il y a même une majorité de chiens qui ne se rendent même pas aux étapes finales de prédation envers un animal. OK? Donc, la séquence comportementale, ça commence par une simulation visuelle ou auditive. Alors, vous imaginez un enfant, une petite fille avec une petite voix aiguë qui crie peut-être dans un parc, qui rit fort, qui court et qui fait aller les bras, OK? Ça peut ressembler à des petits bruits que certains animaux font. Mais ça, je répète, ce sont de rares animaux, de rares chiens qui vont réagir de cette façon-là. Alors, l'animal, dans ce temps-là, ce qu'il va faire, en général, il va entrer en observation discrète. Il va se tenir silencieux. Il n'avertit pas, là. S'il est pour partir à la chasse, il n'a pas envie d'avertir. « Hey, je m'en viens, là, je vais t'attaquer. » Et puis, la poursuite se fait de façon silencieuse. La capture, alors disons qu'il attrape un petit animal, OK, il le capture. Après ça, il va le secouer pour le mettre à mort. Et ça peut aller jusqu'à manger la petite proie, OK? Ça fait que dans certains cas qu'on entend parler, quelques cas par année, un peu partout dans le monde, OK, c'est ce genre d'attaques-là qui sont rares, mais qui existent. Il ne faut pas nier. Ça, c'est juste pour montrer, c'est comme, tu sais, le chien qui est en observation discrète et puis qui commence sa poursuite, là, OK, c'est un peu le genre de posture que ça peut donner. Pour les autres agressions, pour quelqu'un qui comprend les chiens un peu, qui est capable de voir des signes, on va voir qu'il y a une phase d'initiation, à moins que le chien ait une peur très, très, très subite et très, très grande. Là, ça se peut qu'il morde sans avertissement. Mais dans ce type d'agression-là, normalement, il y a des avertissements, puis il y en a longtemps avant. Malheureusement, les gens souvent ne les comprennent pas. Puis quand un chien est éduqué par des gens qui ne comprennent pas les petits signes, il apprend de plus en plus à aller de plus en plus loin. Alors, plus ça va, plus il va loin pour se faire comprendre. Alors, il y a des chiens que s'ils sont toujours incompris, que personne qui tient compte de... Si on ne se préoccupe pas de leur bien-être et que les besoins qu'ils expriment mènent à se faire donner des tapes, des coups de pied, etc., ce chien-là, il va essayer de s'exprimer de plus en plus, il va devenir de plus en plus agressif. Alors, normalement, par une phase d'avertissement, après une phase d'avertissement, au début, le chien va faire une pause. Il va être en train d'évaluer la situation. Là, ce qui arrive souvent, c'est que les gens disent « Ah, il a eu peur de moi, mais là, il a vu que je suis gentil, puis là, les gens s'avancent. » Non, le chien est encore en train d'évaluer la situation, alors il ne faut pas s'avancer. On lui laisse encore le temps de réagir. La phase d'action, c'est possiblement une morsure, et puis après ça, une phase d'arrêt. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est toujours aux humains de s'adapter au comportement des chiens. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est le genre de choses que j'utilise quand je donne des formations en prévention de morsures à des travailleurs, OK, qui veulent éviter, ils veulent éviter de se faire mordre. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est toujours à l'humain de comprendre le chien, un chien inconnu qui arrive vers vous dans la rue. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Par contre, ceux qui prennent la responsabilité d'avoir un chien et de l'éduquer, eux, ont à comprendre ça et à en tenir compte tout le long de l'éducation de leur chien. Est-ce que c'est une séquence anormale ou normale? OK, parce que même dans ce genre de morceaux-là, il y a des chiens qui sont anormaux. On considère qu'ils ont des maladies mentales et puis c'est juste pas normal. Par exemple, un chien, un exemple que j'ai vu, qui m'a été raconté, là, que j'ai vu les blessures, d'un chien qui, par une personne qui connaît bien les chiens, ne donne pas d'avertissement, puis elle lui fait une petite chose qui lui déplaît, puis il la mord plusieurs fois pour une petite chose. Ça, c'est un chien anormal, OK?
Le chien normal, il va donner des avertissements. Et puis, un chien normal aussi, il peut moduler l'intensité de sa morsure. OK. Fait que vous voyez, c'est juste une illustration de réaction. Mais vous voyez, ce chien-là, il n'a pas encore mordu. Hein? C'est un gros avertissement. Mais vous arrivez devant ce chien-là, mon conseil à moi, c'est pensez pas que vous allez être plus fort que lui, vous allez lui en imposer parce que il est plus rapide, ses dents sont plus fortes que votre peau et vos muscles. OK. La socialisation et l'obéissance, je les ai mis dans cet ordre-là parce que c'est dans l'ordre d'importance pour la prévention de morsures. Ça, c'est quelque chose que, si vous pouvez répandre ça autour de vous, je vais être bien heureuse. Les gens qui décident d'adopter un chiot, la socialisation à un jeune âge, c'est capital. Qui aille dans de nombreux endroits différents, qui rencontre plein de gens différents, plein d'animaux différents, etc., qui soit exposé à plein de situations différentes. OK? Et ça va faire qu'il va moins facilement se sentir menacé quand il va être dans des environnements différents ou devant des personnes différentes. Ça va faire qu'on va mettre les chances de notre côté pour avoir un chien qui risque moins d'être agressif plus tard. L'obéissance, les législations qui ont été adoptées mettaient une certaine importance là-dessus. C'est très bien l'obéissance. Ça fait que si votre chien se sauve, vous le rappelez, il va revenir au lieu de se sauver, etc. C'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'au fond de lui, votre chien va être un chien moins agressif. Puis on sait tous, les gens qui ont eu des chiens, ça finit toujours par arriver à un moment donné que ton chien se retrouve en liberté. Alors, c'est une bonne chose qu'il soit obéissant, qu'il revienne quand on l'appelle, mais c'est encore mieux de savoir que c'est un chien qui risque très, très peu de mordre. C'est une sécurité supplémentaire pour la société. OK? C'est vraiment dans l'ordre d'importance. Toujours en parlant de socialisation, c'est super important. Où un chien est né? Un chien qui est né dans une usine à chiots avec une mère qui est super nerveuse à chaque fois qu'elle voit des humains, qui est en train de paniquer à chaque fois qu'elle est en contact avec des humains ou avec d'autres animaux, il va apprendre ça lui aussi. Alors, ça, c'est l'importance aussi des endroits où a lieu l'élevage des chiens, une chose qu'on ne contrôle pas du tout présentement. J'arrive un petit peu à un petit sujet tabou. Est-ce qu'il y a une place pour la génétique? Moi, je le dis depuis le début, oui, il y a une place pour la génétique. La génétique est un des déterminants de l'agressivité. Il y en a qui ne souhaitent pas le dire, mais moi, je l'ai dit dès le début, c'est la vérité. J'ai des vingtaines de références scientifiques qui le démontrent. Et une bonne partie de ça est par l'héritabilité, puis la composante génétique de l'anxiété. Je sais que chez les humains, pour une bonne part, il y a une prédisposition génétique à l'anxiété là, qui joue. Chez les chiens, ça serait la même chose. Et puis, plus le chien est anxieux, plus il risque d'attaquer vite. Okay? Mais là, ça se combine à l'influence de la socialisation dont je parlais tantôt. Alors, il y a vraiment une combinaison des deux. Il y a une place pour la génétique aussi dans le comportement de prédation. On sait qu'il y a certains chiens qui n'iront jamais aussi loin dans le comportement de prédation. Il y a des races qu'on a sélectionnées depuis des centaines d'années par exemple, rapporter des animaux à la chasse. Alors, si c'est des rapporteurs, ils n'ont pas tendance normalement à se rendre jusqu'à manger la proie. Je vous ai parlé de mon implication comme vétérinaire impliqué en comportement canin. Là, j'arrive à la combinaison de tout ça au moment où ces événements-là arrivent l'année passée, alors que j'étais à la fois une citoyenne, un médecin vétérinaire, puis j'étais aussi une étudiante en bioéthique, puis une personne qui a envie de s'engager, puis qui a quelque chose à dire, puis qui se dit « il faut que je le dise ». Alors, ça a été le premier article que j'ai publié, Ben, ce n'est pas un article, en fait, c'est une lettre que la presse a publiée, où j'essayais de faire la part des choses entre « il n'y a pas de mauvais chien, il y a seulement des bons maîtres » et le contraire, qu'il y a des chiens qui sont vraiment des machines à tuer. J'essayais de rétablir l'équilibre là-dedans, puis ça a été le début un peu de mon implication dans ce dossier-là. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. J'ai un blog personnel où mes articles qui ont été écrits à cette époque-là ont été consignés. Ils sont encore là, tels quels.
Là, j'écris ma position entre guillemets parce que je considère que je n'ai pas de position parce que quand les gens me demandent ma position, ils veulent savoir pro ou anti-pitbull. Non, c'est pas ça. Dans le fond, moi, j'ai voulu contribuer au débat, j'ai voulu amener des nuances et puis la question est loin de se limiter seulement à ça. Alors, c'est ça. C'est pour ça que je mets mon mot position entre guillemets. Pour moi, ce n'est pas ça la question principale, parce que si on se mettait à questionner les prédispositions génétiques de toutes des races de chiens, ben on n'aurait pas seulement les pitbulls qu'on devrait regarder. Il y en aurait d'autres aussi. Et puis, comme je vais l'aborder aussi un peu plus tard, c'est que nos évidences scientifiques ne sont pas tout à fait concluantes. Ce que j'ai voulu amener aussi l'an dernier, c'est l'importance des points de vue diversifiés. Okay? Le point de vue, là, on le prend souvent comme le mot « opinion », mais le point de vue, c'est le lieu d'où on peut voir une grande étendue. Alors, je pense que c'est important de… Alors, j'ai écrit dans un de mes articles, je vais tenter de me positionner dans ce lieu où je peux voir une grande étendue et essayer de porter un regard d'ensemble qui inclut les perceptions et les réalités des différents groupes. Je vais reculer, je ne la mettrai pas tout de suite, celle-là. Comme Mme Malbeuf l'a dit tantôt, les citoyens et propriétaires, selon leur expérience vécue, vont avoir une tendance hein, à développer un certain biais en faveur ou en défaveur d'une certaine race de chiens. C'est pour ça que dans toute discussion, il faut dépasser le niveau des expériences personnelles. Les gens qui travaillent dans les refuges, on en est conscient, leur but a toujours été là, de sauver le plus d'animaux possible. Alors, c'est pas une question de jugement là, de dire que leur point de vue est celui-là. Les éducateurs canins et les vétérinaires, dans leurs expériences quotidiennes, savent que une grande part des maîtres de chiens ne comprennent pas bien leurs chiens. Alors, ils vont avoir tendance à voir beaucoup ce côté-là. Et savoir que la majorité des troubles de comportement et de l'agressivité des chiens seraient réglés si on avait… oui, c'est ça, qui ont bien compris leur rôle. J'ai aussi amené l'année passée que les vétérinaires en pratique sont des cliniciens, ce qui veut dire qu'ils ont l'habitude d'analyser les cas un par un. Alors, un vétérinaire spécialisé en comportement qui se fait amener un chien agressif, que ce soit un pitbull ou un chien d'une autre race, quand le chien va arriver devant le vétérinaire, il va être évalué exactement de la même façon. Et ça, c'est la chose correcte à faire. Par contre, ce que j'ai dit l'année passée, c'est que quand l'Ordre des médecins vétérinaires a composé un comité, ils ont formé le comité à partir de cliniciens de petits animaux, des généralistes de petits animaux, des spécialistes en comportement canin, donc encore des cliniciens et des médecins vétérinaires de refuge. Moi, j'ai dit que si j'avais eu à composer le comité, j'aurais mis des vétérinaires en santé publique aussi dans le comité parce que je trouvais qu'il manquait une certaine perspective. C'est dans ce sens-là que je parle depuis tantôt de l'importance des différents points de vue, des différentes perspectives, pour avoir un point de vue vraiment global. On n'a pas de preuves irréfutables de la dangerosité intrinsèque, hein? Intrinsèque plus grande d'une race par rapport à une autre. À mon point de vue, on n'en aura jamais. On ne sera jamais capable de compiler ces données-là pour l'ensemble des races. On n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible. Ensuite, quand je dis qu'on n'a pas les données probantes nécessaires, c'est toutes les études qui disent que les législations contre certaines races ne sont pas efficaces. En réalité, ces études-là confondent les deux types d'agressions dont je vous ai parlé tantôt. Les agressions de type qui dépendent du type prédation. Sont rares. Alors, c'est très difficile de faire des études, les épidémiologistes nous le diraient, là. C'est très difficile de faire des études concluantes sur des phénomènes qui sont très rares, d'avoir des statistiques vraiment significatives. OK? Ça fait que ces études-là ont été faites sur l'ensemble des cas de morsure. Fait que j'arrive à quelques questions éthiques. Est-ce que c'est du racisme d'attribuer des caractéristiques de race? Moi, cet argument-là n'a tellement pas de sens pour moi que je n'ai même pas d'argument pour y répondre. On a créé des races, nous, les humains. On les a créées pour leur donner des caractéristiques. Alors, comment on peut s'accuser de racisme après? J'en ai aucune idée. Par contre, je considère que ça serait injuste de faire subir un préjudice à des animaux qui sont vivants actuellement,
qui sont dans des familles, qui ont un lien humain-animal établi. Là, si on obligeait l'euthanasie de chiens qui sont dans ces situations-là, à l'heure actuelle, ça, je considérerais ça totalement injustifié. Mais si on parle de bannir pour l'avenir, écoutez, là, il n'y a aucun chien qui subit un préjudice de ne pas exister dans le futur, quand même, là. Sur la nécessité de données probantes, ben moi, j'ai posé, puis ça, je l'ai dit à Gravel le matin l'année passée, en l'absence de preuves irréfutables de la dangerosité intrinsèque d'une race, est-ce qu'on doit la laisser se multiplier? Est-ce que ça prend des données probantes concluantes à 100% avant d'arriver à réfléchir à des différentes possibilités? Je crois pas. Je crois qu'on peut envisager des choses même sans une certitude absolue à 100%. J'ai presque fini. Et puis, ouais, c'est ça. Et quand on dit l'humain avant l'animal, bien, c'est peut-être une des dernières choses que je voulais dire, c'est que quand on recherche des solutions à long terme, le bien-être des humains et des animaux dans cette situation-là vont totalement de pair. C'est juste si on regardait le problème comme étant à court terme, si on pensait faire éliminer des chiens, faire euthanasier des chiens en série, là, il y aurait eu une opposition totale là, entre les animaux, le bien des animaux et des humains. Mais si on parle de solutions à long terme, c'est faire reproduire uniquement des animaux avec des tempéraments favorables à la cohabitation avec des humains, ça devrait mener à moins de morsures, puis moins d'euthanasie d'animaux, moins d'abandon. Alors, c'est favorable pour les deux. Assurer des bonnes conditions d'élevage pour les premiers mois de vie, puis une excellente socialisation des chiots, faire circuler plus d'informations, donner des aires d'exercice aux animaux aussi, c'est des choses qui sont à la fois favorables au bien-être animal et qui vont augmenter la sécurité des humains. Un point sur lequel je reviens aussi, c'est les méthodes d'éducation des chiens qui sont favorables pour leur impact sur la diminution du nombre de morsures qui sont aussi favorables au bien-être des chiens. Alors, je veux vous dire que oui, tous les chiens peuvent mordre, c'est vrai. On nous a beaucoup dit, ça a été dit à beaucoup d'endroits, que tous les chiens peuvent mordre. C'est un fait. Par contre, si tous les chiens pouvaient faire des attaques graves comme certaines de celles qu'on a vues, moi, j'en aurais pas de chien, puis je recommanderais à personne d'en avoir si c'était le cas. La position de l'Ordre, OK, c'est une position qui a été émise et réémise l'année passée, est d'avis que l'agressivité que démontrent certains types ou de races de chiens est en grande partie due à toutes les raisons que j'ai données, etc. Mais il n'inclut pas la race là-dedans. Par contre, il mentionne des méthodes utilisées lors de la sélection génétique. Aussi, l'Ordre affirme qu'il est inutile de bannir quelque type ou race de chien que ce soit et invite plutôt les municipalités à cesser de recourir à ce type de règlement, etc. L'Ordre demande aux municipalités d'adopter des règlements qui serviront davantage à contrôler les animaux mordeurs dans le but d'offrir une protection à leurs citoyens contre les chiens mordeurs ou dangereux. Ça, c'est quelque chose que malheureusement, dans les différentes lois qui ont été adoptées, on a eu peu. Sur l'évaluation des chiens mordeurs, je pense qu'il y a une belle progression. Il y a beaucoup de démarches qui sont faites, qui sont très positives. Mais pour ce qui est de l'information à transmettre aux gens, de l'éducation, tout ça, à date, j'ai vu aucun effort là, vraiment comme étendu. Là, c'est ça. Là, je veux juste nous ramener à la mission d'ordre professionnel. Les ordres professionnels ont comme mission, on dit, de protéger le public, puis ont vraiment la mission concrète première, c'est au sujet de l'exercice de leurs membres. Mais quand un ordre professionnel est demandé pour prendre position dans un enjeu comme celui-là, là, on est rendu dans le rôle sociétal de l'ordre professionnel, qui est un rôle qui est moins clair, moins défini. L'Office des professions, justement, est en train d'élaborer une réflexion sur le rôle sociétal des ordres professionnels. Alors, c'est juste, ça s'insère là-dedans, que pour moi, se prononcer sur un enjeu comme celui-là, ça relève du rôle sociétal, donc du rôle très élargi d'un ordre professionnel. Puis que dans ce sens-là, pour moi, ça serait, si j'avais à le faire là, ça serait important pour moi d'impliquer les vétérinaires en santé publique et non seulement les vétérinaires qui sont concernés dans leur travail quotidien par les,
c'est les situations ou les espèces dont on parle. Alors, mon point de vue maintenant, à titre de présidente de l'OMVQ, bien là, à ce moment-ci, où on en est rendu avec ces législations-là, avec les politiques qui ont été adoptées, les enjeux sont de l'identification des animaux, de la préservation de la relation de confiance. On ne veut pas que les gens nous parlent moins des problèmes d'agressivité de leurs chiens, étant donné qu'il faut rapporter chaque petit incident. Ça, c'est plus la loi provinciale, là. On veut bien sûr maintenir les relations humain-animales existantes. Donc, c'est dans le des certains un petit fine-tuning là, de certains petits articles là, des qui ont été de loi qui ont été adoptés. Idéalement, il faudrait en venir à une bonne sélection des reproducteurs puis des gens qui sont autorisés à faire la reproduction des chiens. Ça se fait à plusieurs endroits dans le monde. L'éducation des citoyens qu'on peut étendre beaucoup plus avec la responsabilisation des propriétaires d'animaux. Puis l'arrimage des nouvelles lois avec la réalité des médecins vétérinaires, c'est que c'est impossible, ça c'est pour le projet de loi provincial, c'est impossible qu'on rapporte tous les incidents qui causent des lésions, incluant entre animaux domestiques. On serait environ à 500 000 d'incidents à rapporter par année. Alors, il va falloir élaborer, en collaboration avec des médecins, j'espère, une échelle de gravité de morsure à partir de laquelle on devrait rapporter ces cas-là.